Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente l'invité éco. Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité éco, votre rendez-vous chaque semaine consacré à l'économie. Nous recevons un entrepreneur lyonnais qui répond aux questions de BFM Lyon et du journal des entreprises. Bonjour Audrey Royon. Bonjour Jérôme. Vous êtes responsable d'édition du journal des entreprises, journaliste et donc spécialiste des questions économiques. Tout de suite, place à la présentation de l'invité. Franck Deloume, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes à la tête de quatre établissements, deux enseignes, le Bistrot du Potager, le Bouchon, la Meunière, deux emplacements également au Food Traboul de la Tour Rose. Vous êtes le patron de 44 salariés pour un chiffre d'affaires total d'environ 4,5 millions d'euros. Alors nous connaîtrons cette semaine les conditions, peut-être en fin de semaine, les conditions de réouverture des établissements. À quoi devons-nous nous attendre quand nous allons franchir les portes de vos établissements ? Déjà, tout le monde le fait un peu, du gel, on va les préparer, on va essayer de faire un sens pour pas que les clients se croisent. Et après, on a espacé les tables. De combien ? D'un mètre pour le moment, on va voir ce que le gouvernement nous dit. On a essayé de faire un scénario. Et après, on verra, on va bien les accueillir. On a changé les cartes aussi, on a réduit les cartes pour qu'ils aient moins de choix et qu'ils passent moins de temps à attendre. Est-ce que vous avez changé le mobilier ? Est-ce que les tables sont plus grandes ? Comment vous allez organiser ? Non, on a vraiment organisé. Le changement des couverts, voilà. Des plats ? On n'a pas changé le mobilier, mais on a levé des tables. Après, on va préparer sûrement un petit coffret ou plastifier nos couverts avec marqué comme quoi ils ont bien été nettoyés pour chaque client. On a pensé plusieurs scénarios, voilà. Mmh. Vous êtes confiant dans le retour des clients une fois ces mesures mises en place ? Oui, tout à fait, parce que le client a une attente, surtout à Lyon, il aime beaucoup manger au restaurant, le client veut faire des affaires au restaurant. Après, on va être réduit parce que on a moins d'espace. Voilà. Néanmoins, vous allez perdre du chiffre d'affaires de façon quand même conséquente. Quel ordre estimez-vous cette perte ? Pour le moment, de moitié, parce qu'on va être en baisse d'activité, déjà deux mois fermés. Et après, on va être à moitié capacité dans nos restaurants. Donc, on va faire face. On a prévu la vente à emporter, peut-être agrandir nos plages horaires. On a plusieurs scénarios. Vous allez pouvoir conserver tous vos salariés ou un certain nombre vont rester au chômage partiel ? Pour le moment, on va déconfiner petit à petit. On ne va pas tout mettre de suite. On verra comment se prépare l'activité. Ouais. De toute façon, l'intérêt, c'est de garder tout le monde. La ville et la métropole avaient promis de baisser des taxes, notamment pour les restaurateurs, de vous éviter de payer les taxes sur les terrasses. Est-ce que ces décisions sont actées ? Non, pour le moment, on vient juste d'apprendre qu'on en pouvait avoir les terrasses. Donc, s'il y a deux jours, on a reçu le courrier. Maintenant, on attend vraiment les actes. Ça a été annoncé un peu de partout, mais on n'a aucune nouvelle pour le moment. L'union des métiers de l'hôtellerie et de la restauration met la pression sur les assureurs afin qu'ils indemnisent davantage les restaurateurs. Est-ce que vous êtes solidaire de cette démarche ? Est-ce que vous avez réclamé des indemnités plus importantes à votre assureur ? Bien sûr, déjà on a demandé de nous rembourser les pertes qu'on a eues de tout ce qu'il y avait, parce qu'on a fermé du jour au lendemain. Et après, maintenant, des pertes financières, oui, on paye tout le temps, on nous demande toujours de payer, d'être assuré. Donc maintenant, on demande qu'ils fassent leur travail. Mais on attend aussi, chaque assurance décidera. Depuis le 8 mai, vous vous êtes transformé, vous vous êtes mis à la vente à emporter. Est-ce que c'est une activité post-Covid qui, pour les restaurateurs, peut devenir pérenne ? Je pense qu'on est sur un changement. Même les gens vont consommer autrement, vont rester chez eux. Je pense que toutes les personnes qui ont commencé la vente emportée, c'était pas pour gagner leur vie, parce qu'on gagne pas notre vie. C'était vraiment pour lancer le processus, pour continuer après, quand on sera à moitié de capacité dans nos restaurants, c'est pour continuer. Et comme ça, on peut garder tous nos employés. Et vous allez continuer après ? Oui. Tout à fait, on va continuer, parce que je pense que les bureaux apprécient aussi de la bonne cuisine livrée chez eux. Voilà. Est-ce que vous ne prenez pas le boulot des traiteurs ? C'est différent, nous on fait en petite quantité. Ouais. Traiteur, c'est déjà notre métier.
Merci beaucoup, Franck Deloume, d'avoir été notre invité cette semaine. On va passer aux chiffres de la semaine, Audrey. Moins 75%, c'est le taux d'activité dans le secteur du BTP dans la métropole. Autant dire que l'activité redémarre très doucement. Et la semaine prochaine, Audrey, notre invité sera... Hervé Legros, c'est un promoteur immobilier bien connu à Lyon qui est classé parmi les 10 premiers promoteurs immobiliers en France. Merci beaucoup. On se retrouve donc la semaine prochaine sur BFM Lyon. D'ici là, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. C'était l'invité éco avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative.